Sur cette 78e foire de Châlons. On se retrouve ici à Châlons en Champagne pour une nouvelle fois effectuer notre rentrée à la fois politique, à la fois économique et à la fois sociale sur cet événement majeur du territoire sur lequel nous allons retrouver un grand pôle automobile de 20 000 m2. Et puis nous sommes ici aujourd'hui en cette veille de rentrée sous le chapiteau « Le village des métiers » pour mettre en valeur les métiers, les formations automobiles. Nous nous trouvons sur la foire de Châlons-en-Champagne, sur le village des métiers et des formations, un village qui promeut l'ensemble des métiers de toutes les filières, et notamment pour parler et pour promouvoir les internationaux World Skills, la compétition internationale des métiers à Lyon, qui se déroulera du 10 au 16 septembre. La région aime ses jeunes et va aller encourager les 7 compétiteurs du Grand Est qui se trouvent actuellement en équipe de France, dont Dimitri Angli, donc en technologie automobile, qui représentera la France. Pour nous, la réalité de Mobilian, c'est la réalité du... c'est les jeunes. C'est l'avenir de nos métiers. On est là, sur cette foire, pour remercier nos amis d'Almea, qui sont vraiment très engagés sur l'automobile dans nos 4 départements, pour lesquels, effectivement, on va récompenser les meilleurs d'entre eux. Peut-être certains, d'ailleurs, seront World Skills, c'est pas impossible. Je pense qu'il faut remercier en permanence les gens qui s'en occupent, la direction, les formateurs, tout l'ensemble des équipes techniques qui sont là. On sait aussi qu'il y a une deuxième partie de formation des jeunes sur la partie des services par la suite. C'est qu'il va falloir former quand même les futurs réparateurs des voitures électriques, des voitures qui demain auront une technologie bien différente, et notamment une technologie de la batterie. Donc là, l'ensemble des services est en train de s'organiser. Vous savez très bien que je suis également président de l'OPCO et qu'on est en train d'organiser un peu l'avenir de nos véritables besoins et de créer demain les diplômes nécessaires à l'obtention des gens de qualité pour réparer. Ce que je dirais simplement à mes amis concessionnaires qui seront là, de faire l'effort nécessaire de prendre les jeunes. Les jeunes qui s'inscrivent pour se former, c'est une bonne chose. Ils ont besoin demain d'un support d'entreprise. Je crois que là, même si le moment est un peu compliqué, c'est dans cette période-là qu'il faut savoir prendre les jeunes et de profiter encore une fois des aides de l'État. Parce que je terminerai là-dessus sur mon vrai rôle en tant que président de l'OPCO. Mon vrai rôle sera de faire en sorte que les aides de l'État dès 2025 puissent effectivement continuer. Je parle des 6 000 euros d'aide à prendre un jeune. Et puis surtout de nous aider dans nos CFA sur les fameux coûts contrats. Donc on a vraiment un chantier devant nous énorme.